Salut la famille Blograna, sur Barça NewsUb, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. S'exprimant lors d'une entrevue approfondie accordée à l'Avanguardia, le directeur sportif du UFC Barcelone, Deco, a abordé les aspects du mercato. Il a d'abord analysé la situation de Joao Cancelo et Joao Félix, Actuellement prêté par Manchester City et l'Atlético de Madrid, respectivement, Joao Cancelo occupe le poste d'arrière-droit spécifique et a considérablement contribué. Quant à Joao Félix, son impact positif sur notre performance est indéniable. Cependant, l'avenir de ces joueurs dépend de divers facteurs, étant donné qu'ils ne font pas partie intégrante de notre effectif. Nous aspirons néanmoins à les conserver. En abordant le mercato estival, DECO a émis l'idée que des changements majeurs au sein de l'effectif ne sont pas à prévoir, notre objectif principal est de ne procéder à aucune vente majeure, tout en envisageant l'incorporation éventuelle d'un ou deux nouveaux acteurs. Nous anticipons également le renforcement de nos jeunes talents au cours de la prochaine année, contribuant ainsi à l'équilibre progressif de notre effectif. Dans le cas où des ventes seraient inévitables, nous nous efforcerons de les réaliser sans compromettre le noyau central de l'équipe. Le feuilleton contractuel d'Adrien Rabiot avec la Juventus devient quasiment une tradition annuelle. En fin de contrat en juin, le joueur avait prolongé d'un an en juin dernier. Malgré des négociations présumées en décembre pour une nouvelle prolongation, aucune avancée n'a été signalée depuis. La Juventus, bien que présentant des performances notables cette saison, pourrait perdre le joueur gratuitement. L'intérêt de plusieurs clubs, dont Manchester United, a été évoqué. Aujourd'hui, la presse catalane révèle que le FC Barcelone envisage sérieusement de s'engager dans ce dossier. En tant que joueur libre, Rabio s'aligne avec la stratégie de recrutement économique du club, similaire aux arrivées récentes de Lewandowski et Guindon. Le besoin de renfort au milieu de terrain motive cette approche, surtout après des tentatives infructueuses lors du mercato hivernal. Rabio apparaît comme une option financièrement plus accessible pour le Barça, malgré des coûts potentiels liés à la prime à la signature et au salaire. L'affaire reste à suivre de près. Au cours des dernières années, le FC Barcelone a cherché à retrouver son prestige d'antan, confronté à des défis financiers lors des dernières saisons de Lionel Messi au club. Depuis lors, le club catalan s'efforce de saisir des opportunités budgétaires, révélant néanmoins les limites de cette approche, malgré un titre en Liga la saison précédente. Actuellement, le Barça, sous la direction de Xavi, fait face à des critiques tactiques et occupe une décevante quatrième place en championnat, avec un retard de 10 points sur le solide leader. Le Real Madrid. Afin de réaffirmer sa position, le champion d'Espagne en titre explore diverses options de renforcement. La quête d'un ailier percutant de renom est devenue une priorité pour la direction catalane, plaçant ainsi le nom de Leroy Sané sur sa liste de cibles potentielles. Bien que sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, l'international allemand, 59 sélections, 13 buts, a tardé à répondre à une éventuelle prolongation, demeurant réceptif à des offres externes. Cependant, Selon les informations de sport, le joueur aurait repoussé les avances du UFC Barcelone. Les contacts entre les deux parties ont été interrompus depuis que Fali Ramadani, l'ancien agent du joueur de 28 ans, n'est plus responsable de ses services. Une extension de contrat avec le Bayern Munich semble désormais hautement probable. Actuellement sans affiliation club après avoir dirigé le Bayern Munich et la sélection allemande, en émerge comme un candidat de premier plan pour succéder à Xavi. Il s'engage activement dans l'apprentissage de l'espagnol, renforçant ainsi sa position en tant que choix potentiel. Tandis que Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone à la fin de la saison en cours, il s'efforce de clôturer son mandat en remontant au classement de la Liga et en guidant le club vers une performance mémorable en phase finale de la Ligue des Champions. La direction catalane, anticipant l'après Xavi, recherche déjà un remplaçant de renom pour cette icône du club. En Flick, déjà lié au FC Barcelone par le passé, notamment en 2021 lorsque Johan Laporta exprimait son intérêt, se positionne naturellement comme un candidat des plus crédibles, voire favori selon une révélation récente de Bild. Selon le quotidien allemand, l'ancien entraîneur du Bayern Munich s'investit dans l'apprentissage de la langue espagnole, démontrant sa disponibilité et son ouverture à un éventuel engagement avec le Barça. En dépit de la saison difficile pour le FC Barcelone, marquée par l'absence de titre et le départ imminent de Xavi, une lueur d'optimisme émane de l'intégration réussie d'Ilkay Guindogan. Arrivé librement de Manchester City l'été dernier, le milieu allemand de 33 ans a dû faire face à des spéculations sur son départ dès janvier, attribuées à des problèmes d'adaptation. Bien que lui et sa femme aient formellement démenti ces rumeurs, elles ont persisté. Néanmoins, selon les informations de Sport ce dimanche, Guindogan affiche rarement un tel niveau de performance. Lors du match contre Alavés, 3-1, il a réalisé sa neuvième passe décisive de la saison, établissant ainsi un nouveau record personnel. Notons que la saison n'est pas encore terminée, avec trois mois de compétition restant. Malgré sa sortie prématurée en raison d'une blessure, le milieu a également marqué un superbe but en volée. Alors que le FC Barcelone déçoit cette saison, il est indéniable que l'intégration d'Ilkay Guindogan s'avère être un point positif. Il y a quelques années, avant l'essor de Pedri, les émergences de Warren Zaïre-Emery, Jamal Musiala, Lamine Yamal et la confirmation de Jude Bellingham, en Fati était incontestablement considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Après des débuts remarquables avec l'équipe première du FC Barcelone et une rapide intégration en tant qu'international espagnol, il était perçu comme le successeur désigné de Lionel Messi. Toutefois, des blessures significatives ont entravé sa trajectoire. Le reléguant au statut de remplaçant au FC Barcelone. Cet été, il a pris la direction de Brighton, un choix stratégique s'inscrivant dans une équipe reconnue pour son approche offensive, offrant ainsi un contexte moins concurrentiel. Ses débuts avec Brighton ont été prometteurs, bien que non éblouissants, incluant notamment un but contre Manchester City en octobre et une contribution aux deux matchs contre l'Ajax en Europa League. Avec seulement neuf apparitions en Premier League, dont une seule titularisation, une nouvelle blessure aux Euschio-Jambiers l'a éloigné des terrains jusqu'à son retour ce week-end contre Crystal Palace, où il a joué quelques minutes lors de la victoire de Brighton, 4 à 1. Ce retour, nous l'espérons, sera définitif. En parallèle, des spéculations persistent quant à son avenir. Selon Sport, le joueur aspire à un retour au FC Barcelone en fin de saison, indépendamment des résultats de la saison 2023-2024. Cependant, le FC Barcelone semble enclin à favoriser une vente. Confronté à des difficultés financières, le club vise à capitaliser sur la cote toujours élevée de son attaquant, envisageant une transaction à hauteur de 30 millions d'euros, comme le rapporte Sport. De plus, des informations de TeamTalk suggèrent que Liverpool a manifesté un intérêt, tandis que la possibilité que Brighton cherche à le conserver demeure. Toutefois, cela dépendra de la capacité du joueur à éviter de nouvelles blessures au cours de cette deuxième partie de saison. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et visca Barça.